Salut tout le monde, donc comme vous le savez peut-être déjà, si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram et Facebook, j'ai repassé la Civic au banc. Alors tout d'abord, je voulais juste commencer sur un point qui me semble important. Il n'y aura pas de vidéo chez Mario comme je l'ai fait chez EMS Motorsport, parce que bah, je ne le connais pas. J'avais loué le banc pour faire une batterie d'essai, et puis souvent bah, on est un petit peu stressé, il y a des choses qui peuvent ne pas aller, donc j'ai préféré me concentrer sur la voiture et sur les essais que je voulais faire pour maximiser au mieux le temps que j'avais à ma disposition. Donc il n'y avait pas d'espèce de youtuberie et d'interaction avec Mario. C'était super cool, c'est vraiment une chouette personne. Et voilà, j'ai passé la voiture au banc il y a quelques mois, quelques années maintenant, et puis le résultat n'était pas folichon comme vous pouvez le voir. C'était pas du tout en adéquation avec ce que j'avais dans le moteur. Et donc, en parlant de ça, je vais vous proposer de faire un petit peu le tour des modifs qu'il y a dans le V16 A9. Donc on va commencer par le bas moteur. Donc en bas, j'ai un vilebrequin allégé et rééquilibré avec l'ensemble de l'équipage mobile, c'est-à-dire volant moteur, mécanisme d'embrayage, poulie qui a été allégé aussi. Donc c'est pas très utile étant donné que je n'ai pas allégé les bielles. On a des pistons en 75,5 mm, donc en cote réparation du D16 A9. Le bloc a été resurfacé avec moins 5 dixièmes, tout comme la culasse, qui nous fait un total de 1 mm de resurfaçage, ce qui nous porte le taux de compression avec l'augmentation de la cylindrée à 10,5, il me semble. Niveau culasse, il y a eu un port et une pas polish au niveau de l'admission. Il y a le papillon d'admission qui a été un petit peu venturisé. J'ai un Velocity Stack à l'entrée du papillon avec une boîte à air maison et le filtre à air de M5, V8. Il n'y en a qu'un, hein, ça suffit. Et niveau échappement, j'ai aussi fait un espèce de porte et presque polish avec un collecteur d'échappement 4-2-1 Super Sprint que j'ai modifié au niveau du 4-2-1 et puis la ligne en 50 mm qui va jusqu'au bas de caisse, quoi. Et c'est à peu près ça, si on peut compter aussi la pompe à essence, une Bosch en 0,44 qui est pas là pour apporter plus de débit ou quoi que ce soit, elle était juste là pour remplacer la pompe à essence d'origine qui n'était pas simple à mettre dans le réservoir carburateur de l'ASB, donc j'avais mis une pompe à essence externe. Donc voilà, donc 139 chevaux pour autant de modifications, c'était pas fou. Et j'ai oublié le principal, à ce moment-là, j'avais la cartographie d'injection Mugen N1. La fameuse, celle qui enrichit à mort. Donc voilà, suite à cette petite déception, j'ai reconditionné l'allumeur avec des bobines neuves, avec une bobine neuve, le faisceau d'allumage neuf. J'ai fait nettoyer les injecteurs, j'ai remis l'amortisseur de pulsation du rail d'injection, j'ai changé le filtre à essence, j'ai refait le jeu aux soupapes, et j'ai aussi oui, j'ai aussi changé la sonde de température d'eau finalement. Parce que comme vous l'avez peut-être vu dans une ou deux vidéos avant, j'avais pensé résoudre le problème d'IACV et tout ça, mais en fait c'était bien la pompe, la sonde de température d'eau, je m'en suis aperçu juste la veille du passage au banc, heureusement. Et donc maintenant tout est smooth, tout est nickel. Donc voilà, alors une fois chez EMS Motorsport, ce que je voulais vérifier, c'était que j'avais pas trop d'avance à l'allumage, étant donné que j'avais pas du tout de couple en bas et à mi-régime. Je me suis dit, il y a peut-être une connerie avec l'avance à l'allumage. Donc ce que j'ai fait, oui, parce que
quand vous rabotez d'un millimètre les D16, à 9 en tout cas, vous mettez plus d'avance à tout. C'est-à-dire plus d'avance à l'arbre à cames d'admission et plus d'avance à l'arbre à cames d'échappement. Et ça se compte, c'est de l'ordre de 1 degré environ. Donc ce qui veut dire que quand on met l'avance à l'allumage à 16 degrés, on est à 17 degrés d'avance réellement. Et comme j'en avais mis encore un petit peu plus, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Donc j'ai exagéré, j'ai poussé le vis à retarder l'allumage pour voir si je pouvais pas regagner un petit peu de coupe. Et donc ça, c'est le test numéro 1. Et donc ça s'est soldé par 139,59 chevaux à 8065 tours minutes. Donc c'est super haut, avec un couple max de 13,79 Nm à 6681 tours minutes. Donc ce qui est de la merde quoi. Donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais remettre un petit peu d'avance. Donc j'ai mis l'avance d'origine, donc s'il nous est 17, enfin 16, d'origine c'est 16, mais avec le décalage ça faisait 17 degrés. C'était guère mieux, hein, 139 chevaux, 7 à 8024 tours minutes, ce qui est encore aberrant. Couple max 13,94 à 6517 tours minutes, nul. Donc j'ai encore mis de l'avance. Degrés d'avance réelle, ce qui nous a porté la puissance max à 141,51 chevaux à 8122 tours minutes. Mais ce qu'on a fait cette fois, c'est qu'on a branché l'AEM, la sonde pour mesurer la richesse. Et donc ce qui était intéressant, c'est qu'on a remarqué que sur toute la plage d'utilisation, la richesse était extrêmement pauvre. De bas en haut, enfin non, très haut dans les tours, c'était pas mal. Donc ça, c'est un truc que j'avais pu constater lors des précédents passages au banc. Donc je sais pas s'il y avait eu des petits problèmes d'allumage ou quoi, mais c'était super riche. On voyait de la fumée noire s'échapper très haut dans les tours. Par contre, de 2000 tours à 6000, 7005, c'est extrêmement pauvre, quoi. Et là, c'est la carte Mugen N1, celle qui est censée être très riche. Donc effectivement, elle est plutôt riche en haut, ce qui est super rassurant, mais à mi-régime et à bas régime, c'est de la merde. Alors, est-ce que j'ai un problème de régulateur de pression d'essence? Je ne crois pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, je me suis souvenu que pour l'essai pour un test de Vmax, j'avais remis la carte d'origine. Ça va, les tracteurs, on vous dérange pas? Il y a des Porsche et tout, c'est n'importe quoi. Bref. Pour mon test de Vmax, j'avais essayé de mettre la carte d'origine et là je me suis dit, mais putain, elle marche! C'était un truc de fou! Je retrouvais le D16 à 9 d'antan, quoi. Le truc, quand tu passes la 2, t'as les roues qui burn, la 3 limite de burner aussi. Enfin, c'était vraiment le vrai D16 à 9. Et donc je me suis dit, avec Mario, vas-y, casse la tienne, on va essayer de remettre la carte d'origine. Et là, je remets la carte d'origine. Pareil, donc là j'ai pas d'image du passage au banc de la voiture avec la carte au stock parce que j'étais concentré sur le filmage de l'AFR quoi. Étant donné qu'il fallait que je sois assez loin pour des questions évidentes de sécurité, je me suis mis super loin et j'ai zoomé pour avoir l'AFR et avoir une trace de ce truc-là. Et comme vous pouvez le voir, l'AFR est beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il est encore très pauvre,
mais c'est beaucoup mieux et bah, les chiffres ne trompent pas. On arrive à 151 chevaux à 7223 tours minute avec 15,74 kilomètres. Je déteste cette unité de mesure pour le couple. À 6447 tours minute. Donc là, on trouve des chiffres un peu plus cohérents avec mon setup, même si c'est encore en deçà de ce qu'on est en mesure d'attendre, à mon avis. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, je me suis dit, tiens, vous le savez aussi si vous suivez mes vidéos précédentes, j'avais fait un échappement pour repasser le sonomètre à Spa, et je me suis dit, combien de chevaux je perds avec ce truc? Il est assez efficace niveau bruit, mais combien je perds niveau chevaux? Avec l'échappement, on passe de 151,1 chevaux à 7200 tours, à 150,65 chevaux à 7104 tours minute. Donc il n'y a quasiment aucune perte. Et c'est là où je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais t'as besoin de back pressure et tout dans un échappement pour faire du couple. » Ben le couple, j'en ai perdu avec le silencieux. Donc c'est pas non plus super pertinent. En tout cas, voilà, les chiffres sont là. La Carto d'origine avec mon setup tourne beaucoup plus riche que la Carto Mugen N1. Donc vraiment, je sais pas ce qui se passe. Alors dites-le-moi si vous avez de l'expérience dans les Carto et tout ça. Est-ce que la Mugen N1 est prévue pour tourner avec une pression d'essence sensiblement supérieure ou pas? Auquel cas, peut-être que j'essaierai de jouer avec ça et puis une sonde large bande. En tout cas, voilà, les chiffres sont là. Mais le truc qui est assez frustrant, je m'en suis rendu compte parce que je suis parti avec la Carto d'origine, comme elle était beaucoup mieux, forcément. Et là, c'est vrai que c'est incroyable, il y a beaucoup plus de disponibilité et tout. Mais le truc, c'est que c'est super frustrant. Tu tapes vite le limiteur dans les tours et c'est chiant. Et là, je me suis souvenu que j'avais demandé au poteau Seb, qui est aussi enfin, qui est un pionnier dans le D16 à 9, surtout sur alimenté, qui lui s'était fait une Carto Daily. Donc la Carto d'origine, mais qui prenait un peu plus de tours. Et c'est celle que j'avais à Spa, parce que je m'étais déjà posé la question à savoir si celle d'origine ne correspondait pas mieux à mon setup. Et c'est celle que j'avais à Spa. Et comme j'avais ce problème de régime max à Spa, je me suis dit, ben, c'est peut-être dû à la Carto. Donc j'ai enlevé la Carto Daily de l'ami Seb, Seb Rex, sur Japan Car. Et j'avais mis la Mugen N1. Et donc là, pour le retour, j'ai remis la Carto Daily de Seb. C'était un enfer. Je pense que... Pour que vous partagiez ma frustration dans la vidéo, je vais vous laisser un plan séquence de moi en train d'essayer de me battre à recentrer toutes les pins de l'éperon pour la mettre sur le support. Histoire que vous compatissiez un petit peu avec ma douleur.
Donc une fois que je l'ai mis, je suis reparti, et là, mais c'était trop bien. C'était best of both worlds. Et on avait la disponibilité à mi-régime avec cette caractéristique qu'on aime tous chez Honda, c'est-à-dire pouvoir prendre des tours. Donc c'était top. Et c'est comme ça que je vais rouler au Spa Asia d'ailleurs. Et si vous me croisez, ben n'hésitez pas à venir me voir, à vous présenter aussi, parce que j'ai pas vraiment bien la mémoire des visages. Donc des fois c'est un petit peu embarrassant. Et je serais ravi d'en discuter avec vous aussi. Et surtout si vous avez un avis sur cette carte au Mugen N1 et ce manque de carburant. Parce que tout est neuf, hein, le filtre à essence, la pompe fonctionne bien, le filtre est pas mal. Donc est-ce qu'il y a trop d'air? Enfin j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je peux jouer avec un régulateur pression d'essence? Est-ce que ça paraît pertinent? Parce que j'ai envie de rester low cost avec cette voiture. J'ai pas envie de passer sur un standalone, un truc full programmable et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu une idée de ce que pouvait donner un D16 NF qu'avec de la pièce d'origine, du moins en interne, quand on reste dans les limites constructeurs. Ouais, le joint de culasse, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est un joint de culasse Honda d'origine. Ah, j'ai oublié, j'ai aussi une pompe à eau électrique et qui est censée apporter au moins 5 chevaux. Donc ouais, comme le disait Mario, je pense qu'il y a énormément, enfin qu'il y a un bon potentiel avec une bonne carto et tout. Et après, c'est pas vraiment ce qui m'importe de faire du chiffre sur cette voiture, c'est plus vraiment la sensation. Et là, j'ai déjà une bonne sensation d'une voiture pleine partout avec un régime max acceptable. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un truc aéro. Je sais, je vous fais chier avec ça, mais ça me tient vraiment à cœur et j'ai envie de faire ça bien. Donc c'est pour ça prend un peu de temps, mais ça va être super cool. Ciao!